you, Minister. We're now going to move on to Block. Mr. Brussel Duval, you have the floor for 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour Mme McKenna, en fait, c'est que dans le dernier budget, votre gouvernement a annoncé pas loin de 500 millions de dollars pour le TGF Québec-Toronto. J'aimerais savoir, parmi ces 500 millions de dollars-là, il y en a combien qui vont être dépensés entre Montréal et Québec? Merci beaucoup pour la question. J'espère que vous avez apprécié les investissements dans le les garderies. je sais pas comment ça va avec votre enfant, mais j'espère que ça va bien. Peut-être vous avez deux maintenant. C'est sûr, le train à grande fréquence, c'est un projet très important. Moi, je travaille avec le ministre des Transports, mais aussi la Banque canadienne de l'infrastructure. Dans le budget, vous avez vu qu'on a investi dans le train à grande fréquence. Alors, c'est tout le long. Il n'y a pas de… C'est très important. Je reconnais, c'est vraiment important, Montréal à la ville de Québec et tous les stops. Ça, c'est pour que le projet puisse aller en avance. Merci beaucoup, Mme la ministre. Mais ma question, c'est de savoir, c'est quoi la portion du 500 millions qui va être investi entre Montréal et Québec? Alors, moi, je devrais dire, je ne sais pas le montant exact. C'est un grand projet. C'est pour le projet, mais c'est sûr, je sais que c'est important, le bout entre Québec et la ville de la ville de Montréal. Non, je comprendrai que je sois peut-être un petit peu surpris quand même parce que 500 millions, c'est un montant assez substantiel pour qu'on veuille savoir qu'est-ce qu'on va faire avec quand on accorde 500 millions. Mais quand je regarde les commentaires des élus, en fait, et des maires des chambres de commerce de la région de la Mauricie, eux, ils n'ont pas l'air très contents du 500 millions parce qu'on sait tous que TGF, ça ne coûte pas 500 millions à faire, mais ça coûte entre 5 et 10 milliards. Donc, de votre côté, vous dites que c'est une bonne nouvelle, mais du côté, par exemple, du maire de Québec, du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mauricie, du côté de la Chambre de commerce aussi de Trois-Rivières, du maire de Trois-Rivières, tout le monde est déçu de l'annonce de votre gouvernement. Pourquoi vous êtes les seuls à vous réjouir? Je pense qu'ils ne devraient pas être déçus parce que ça démontre qu'on veut que ce projet aille en avance. Je sais qu'ils travaillent très fort. La Banque d'infrastructure fait une grande partie pour regarder comment on peut avoir des investissements du secteur privé, mais aussi, c'est sûr, il y a du travail à faire pour comprendre la route et la technologie, mais c'est un projet qui est important, je sais, pour le Québec, mais aussi c'est important pour tous les gens qui habitent dans le corridor et aussi c'est bon pour l'économie et des emplois. Savez-vous, Madame la ministre, combien il y a de kilomètres de voies ferrées qui appartient à Via Rail entre Montréal et Québec? Aucun kilomètre. Il n'y a pas un seul kilomètre de voie ferrée entre Montréal et Québec. Alors, ce que je me demande, c'est comment vous allez faire pour faire un TGF avec 500 millions de dollars. Tout le monde sait que ça n'arrivera pas. On comprend qu'en plus, c'est 500 millions de dollars sur 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouvel investissement avant 6 ans à 100 millions par année. On parle du TGF, ça fait 2 élections que les libéraux nous disent que ça s'en vient, qu'ils croient. Au final, on commence à le croire de moins en moins et puis penser que c'est un peu de la poudre aux yeux. Dans 6 ans, on va être en 2027, puis il n'y aura toujours pas de TGF. Alors, je vais passer à mon député parce que je sais qu'elle travaille fort sur ce projet. Avec Transport, c'est le leader, je ne sais pas comment on dit ça, c'est Transport Canada et aussi la Banque d'infrastructure. Peut-être, Kelly, est-ce que vous pourriez parler un petit peu du projet? Oui, merci. Dans le budget, il y avait un petit montant pour le bureau de continuer le travail pour le corps, pour le mode pour continuer pour High Frequency Rail. Mais aussi, il y avait un montant, le 500 millions que tu as mentionné, pour continuer avec les services de VIA qui va être approprié pour continuer les services et va être augmenté le service pour n'importe quel type de projet qui va avancer pour with High Frequency Rail. D'abord, il y a, oui, c'est 6 années, mais c'est vraiment pour avoir
un réduit pour the bottleneck, je ne sais pas le nom, les connexions. Oui, pour réduire la congestion. Je comprends ce que vous me avec dites, le service de mais VM moi, ce que maintenant. J'en comprends surtout, c'est que le 500 millions, c'est un 500 millions qui va servir à améliorer le service de Via Rail, qui pourrait peut-être aussi aider au TGF. Mais au final, ce n'est pas du tout un TGF qui est annoncé. Là. C'est un peu d'argent pour faire des rénovations, mais il n'y a rien entre Montréal-Québec parce qu'il n'y a pas de rail entre Montréal du Québec. Donc, il n'y en a pas de TGF entre Montréal-Québec. Et alors que c'est ce que demandent les maires, c'est ce que demandent les chambres de commerce, c'est ce que promet depuis deux élections votre gouvernement. Et pourtant, ben, on se ramasse qu'en 2027, il n'y aura toujours rien. C'est ça la réalité. Et je pense que c'est pour ça que les élus de la Mauricie, puis les chambres de commerce, puis que l'entièreté du Québec est déçue de votre gouvernement. Ils ont l'impression d'être abandonnés, alors que vous leur avez promis quelque chose, vous ne leur donnez pas. Alors, je vois que c'est très important aux députés et c'est un très important projet. C'était mentionné dans le budget. Nous avançons, nous faisons des investissements et on travaille fort sur le projet. Il faut comprendre vraiment c'est quoi la technologie, c'est quoi la route exacte, c'est quoi les coûts, comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent du secteur privé. Mais je sais qu'ils travaillent très fort. Il y a un bureau entre la Banque d'infrastructure via Transport Canada et le chef et le Infrastructure Canada travaille sous ce projet. Thank you, Minister. Thank you, Mr. Brosseau. We're now going to move on to the bloc. Mr. Brosseau Duval, you have the floor for 2.5 minutes. Merci, M. le Président. Madame la ministre des Infrastructures, dans une entrevue que le député Jean-Yves Duclos a donnée à Radio-Canada, il mentionnait en fait que peut-être que dans 2, 3 ou 4 ans, le gouvernement pourrait décider de remettre un peu d'argent dans Via Rail encore pour promettre un petit peu ou du moins faire croire encore que vous avez l'intention de faire le TGF. Vous ne trouvez pas que quand on a un gouvernement qui croit à un projet puis qui s'engage à un projet, il n'étire pas ça pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, mais après 2, 3, 4 ans, là, on commence à avoir les dividendes puis on commence à avoir des résultats. On l'a vu pour bien d'autres projets. Dans le cas du TGF, on dirait qu'on tourne en rond, puis on retourne en rond, puis on retourne en rond. Au final, c'est un pétard mouillé. Est-ce que vous pouvez en fait simplement nous dire pendant combien d'élections vous avez l'intention d'utiliser le TGF comme un hochet ou plutôt être honnête avec nous puis nous dire on n'en fera pas de TGF puis on a juste promis ça pour essayer de gagner des votes aux dernières élections? Je veux dire que vous pouvez lire mon lettre de mandat, elle est très claire, et le lettre de mandat pour le ministre des Transports, que le train à haute fréquence, ça fait partie de notre mandat. On a investi 500 millions de dollars dans Via Rail pour le projet. Alors, c'est un projet qui est très important. Comme j'ai dit, il y a du travail à faire. On doit savoir la technologie, la route, combien ça va coûter, le rôle de la Banque d'infrastructure. Mais c'est un projet qui est très important pour notre gouvernement. Je l'ai dit, le ministre Duclos l'a dit, le ministre Champagne l'a dit, le ministre Allegabre l'a dit, le premier ministre l'a dit. Alors, je ne pense pas qu'on peut être plus clair. Bien, je ne pense pas non plus qu'on peut être plus clair dans la volonté, en fait, de ne pas vraiment le faire. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'on annonce des grenailles un petit peu. Je ne dis pas que 500 millions, c'est des grenailles, mais on s'entend que c'est 500 millions sur 6 ans divisé par tranche de 100 millions. On est très, 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 très loin de la courbe aux lèvres, alors qu'il y a des études qui sont faites depuis des années déjà. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique de votre gouvernement d'aller de l'avant avec ce projet-là. Et ma déception, c'est de voir que votre gouvernement, en fait, n'a pas l'honnêteté de dire aux citoyens que vous n'avez plus l'intention de le faire, que vous n'avez plus l'intention d'aller de l'avant. Puis à la place, vous annoncez des petits morceaux, des petites affaires pour essayer d'entretenir. Mais moi, je trouve ça profondément cynique parce que la population, un jour, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'on va encore leur promettre ce fameux TGF-là de la part de votre gouvernement, ils n'y croiront plus. Puis ça désenchante le monde. Alors, moi, je ne comprends pas que vous continuez à faire ça. Si vous y engagez pour vrai. Short response, Minister. Alors, les grands projets d'infrastructure, ça prend du temps pour planifier parce qu'on veut faire que ça fonctionne bien. Mais je reconnais combien c'est important pour le monde, mais c'est important, je sais, pour les personnes du Québec, de l'Ontario, pour les Canadiens. C'est un projet. On dépense des sous. 500 millions de dollars, c'est pas rien. Mais comme j'ai dit, on doit planifier. C'est important pour un bon, grand projet. Alors, on y avance. Thank you, Minister. And thank you, Mr. Brosseau-Duval.